Oui, bienvenue. On va aller vite, car on va devoir partir. Ou pas. Bon, on a le temps. Bonjour et bienvenue, nouvel épisode de la survie du week-end. Donc, nous avons passé quelques jours ici. Et honnêtement, en termes de gameplay, ça va faire au moins 2 ou 3 heures, donc... Et pas vraiment très très intéressant. J'ai tué des loups. J'ai tué des loups. On a que 2 peaux qui sont dans la cabane, mais j'ai dû en tuer au moins 6 ou 7 honnêtement. Ils sont un peu éparpillés autour de la cabane parce qu'ils sont en meute ici. À chaque fois, il y en a au moins un minimum 3 ou 4 par meute. Donc ouais. Il y a quelques cadavres qui se baladent à l'extérieur. Enfin, qui se baladent, hein, qui restent sur la glace en train de geler. Mais bon, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Donc j'ai pensé à notre prochain voyage. Ça a été un peu long en fait à me décider. Parce que... Alors, Ash Canyon, donc le canyon des cendres, est sympathique. Mais on a fait honnêtement le plus gros. Alors après je sais qu'il y a des passages en hauteur et tout ça. Mais c'est pas extrêmement, extrêmement intéressant. Je vais être honnête. Alors je sais après que la zone est bien, mais je... Je pense qu'on va devoir y retourner de toute façon un jour ou l'autre, dû au rajout hein, du Season Pass, etc. etc. Donc voilà, donc on va pas faire ça exactement, on était venu pour une chose bien précise, c'était pour le sac à dos, on l'a maintenant. Donc on va pouvoir partir, on va pouvoir aller dans des zones qui sont un peu plus simples, un peu plus tranquilles et un peu plus adaptées pour se la couler douce. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Mais avant... Donc on va devoir retourner au mont Timberwolf, donc j'ai débattu avec moi-même. On peut retourner au mont Timberwolf, directement aller à Blackrock. Blackrock honnêtement c'est pas très intéressant, hein, je vais être honnête, j'aime pas trop la zone. La zone est, on va dire, facile parce que vous pouvez faire le tour très facilement, très rapidement même. Et après il y a le grand complexe de la prison et tout ça. On l'a déjà fait genre pendant très longtemps quand Blackrock est sorti. Mais c'était pas extrêmement intéressant parce qu'il y a seulement le gilet pare-balles à récupérer, il pèse une tonne en plus et il est pas super utile, surtout pour nous. Ou alors on peut directement aller par exemple à l'autoroute côtière. L'autoroute côtière est vraiment tranquille et tout ça et il y a énormément de bâtiments à fouiller. Donc c'est vrai qu'en fait il y a un avant et un après l'autoroute côtière. Une fois que vous avez fait l'autoroute côtière, honnêtement vous êtes blindé sur plus ou moins tout ce que vous voulez et vous pouvez plus ou moins survivre indéfiniment. Par rapport à ce que vous faites. Donc, j'ai ça, mais on a le mont Timberwolf. Et j'avoue que le mont Timberwolf est intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de caisses à aller scier. Et on a une scie. Allez là. On a une scie, en fait. Et on a une caisse à outils, donc outils de qualité en plus. Donc, elle est moins lourde et elle se. Je crois qu'elle s'utilise moins quand on répare la scie. Donc du coup, on peut complètement en fait aller scier, faire le tour du mont Timberwolf et aller scier les caisses, les cargos hein, de l'avion qui s'est crashé. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est ce que j'ai envie de faire. Et on va en profiter aussi pour aller bien sûr au sommet du mont Timberwolf et aller dans l'épave de l'avion tout en haut. Car il va avoir sûrement des très très bonnes choses à récupérer, surtout dans les caisses. Par contre, j'ai un peu peur que la scie seule ne soit pas suffisante. Et ça m'inquiète un peu. Parce que je crois que c'est 5% par utilisation. Et là, on a seulement un bout de métal pour la réparer. Bon, par contre, ça a l'air assez puissant. Parce que ce qu'on regarde... Non, ça ne va pas recycler, ça. On va prendre la scie. Parce que si on fait réparer, donc dure 30 minutes, chance de réussite 100%, quantité à réparer 19%. Donc, du coup, ça la mettrait à 100%. Donc... C'est plus que 20%. Excusez-moi. En tout cas, c'est plus que 19%. Et je crois qu'on récupère à peu près 30%, entre 20 et 30%, je crois, de durabilité. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de morceaux de métal, en fait, pour pouvoir la réparer. Donc on va en profiter. Je crois qu'on va faire ça, tout simplement. C'est qu'on va aller scier, en fait, les choses dans le mont Timberwolf. Et comme ça, en théorie, on aura fini le mont Timberwolf. Voilà, tout simplement. Maintenant pour ce qu'on va prendre pour partir. Alors comme d'habitude je laisse toujours un peu de matériel en fait sur le chemin. J'ai de l'eau, j'ai encore 2 litres. Je laisse toujours un peu de matériel sur les endroits où on est resté. Mais je dois être honnête, je suis jamais, encore une fois, je crois que je l'avais déjà expliqué.
Je suis, mais alors jamais revenu dans des zones en fait. Dans toutes mes saisons, même les saisons qui ont duré plus de 100 épisodes, on n'est jamais revenu dans la même zone. Donc théoriquement, ça sert à rien. Mais encore une fois, avec les rajouts du Season Pass, peut-être qu'on va devoir y retourner. J'essaye de meubler parce qu'il y a une tempête de fous à l'extérieur et on peut pas partir. On va même aller les regarder, tiens. Et du coup, je pense en théorie qu'on va devoir à un moment retourner et chercher des choses. On a une super tempête, c'est magnifique. On va sûrement devoir chercher des choses avec la radio, par exemple les ondes et tout ça. Et ça va être chiant, du coup. Ça va pas être chiant. Non, j'en sais rien. Non, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Non, c'est pas que ça va être chiant, c'est qu'on va retourner en fait aux zones. Voilà. Donc du coup, bah, ça justifie le fait qu'on va laisser des choses. Voilà, tout simplement. Que dire? Donc, au final. Alors, on va laisser une boîte d'allumettes. On va laisser tout le bois. La couture facile, je l'ai lu. La meilleure gâchette, je l'ai lu aussi. Il y a que ça que j'ai pas lu. Donc, par contre, c'est 25 heures. Donc, j'ai envie de le prendre avec moi. On a laissé un peu d'écorce et tout ça. De baies et de champignons. Parce que j'en ai déjà quand même pas mal sur moi. En plus, j'ai 2, 2 et 2. Donc, on est très très bon. Les vêtements qu'on a trouvés supplémentaires, on les laisse là. Surtout le pantalon de combat. Parce que c'est le plus intéressant si jamais on éclate le nôtre. Pour la nourriture, on va tout garder. Évidemment, il y a des choses comme ça que je peux pas poser, en fait. Donc ça, c'est très, très embêtant, honnêtement. Enfin, je crois que ça disparaît. Je crois que c'est pris comme n'importe quelle chose, en fait, qui est à 0%. Donc ça, c'est embêtant. Enfin, bref. Les tiges de massette, on va les laisser là. On en a 33. Après, pour ce qui est des faitous et tout ça. Donc, si je me rappelle bien, on n'a pas de faitous au Mont Timberwolf, à la cabane. Donc on va en prendre un. Et on va en laisser un ici. Donc, il est là. Comme ça, du coup, on n'aura pas besoin, en fait, de revenir avec des faitous à l'intérieur. Alors, évidemment, je sais pas comment ça va marcher, le travois, là, quand ils vont le rajouter. Honnêtement, j'ai peur qu'ils le rajoutent extrêmement tard dans l'année, qu'au final, ça va vraiment pas changer grand-chose. Mais en tout cas, on aura déjà un faitout là, donc ça sera 2 litres d'eau. En fait, faut penser à ça. Le truc, c'est que c'est 2 litres d'eau en une fois. Donc voilà, donc on va en récupérer un et le mettre au Mont Timberwolf. Pour l'arc, j'en ai fait un autre, je les ai inversés. Et pourquoi je prends toutes les conserves? Parce que toutes les conserves, en fait, peuvent être utilisées pour faire des bombes. Et pour faire des bombes, on peut les faire donc à Black Rock. Et je crois qu'on peut les faire aussi à la Crique Lugubre. Et je crois que c'est tout. À ma connaissance. Après, j'ai une très mauvaise mémoire. Mais je crois qu'il n'y a que Black Rock et la Crique Lugubre qui permet de faire des bombes. Je crois. Voire peut-être que Black Rock. Enfin, bref. Donc voilà, donc on peut faire ça. Donc c'est pour ça que je voudrais en fait les sortir du canyon des cendres. Parce que ici, elles servent à rien. Au moins, on les met... faudra que je vérifie quand même hein, si Black Rock, on peut faire des bombes. Oui, je pense. Mais voilà, on va les mettre au moins au Mont Timberwolf, donc à la cabane, comme ça, on pourra tous les prendre si jamais on va à Black Rock et on fera des bombes. Pourquoi? J'en sais strictement rien, mais pour s'amuser, voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est pour ça que je les prends avec moi. On a laissé 2 torches, on a des fûts de flèches, j'en ai énormément des fûts de flèches, j'en ai déjà 28 sur moi. Je vais en laisser une trentaine. Parce que bah, c'est lourd et on n'en a pas besoin d'autant en fait. Même c'est peut-être un peu... Je sais pas. Non, c'est bien comme ça, c'est bien comme ça. De toute façon, on a des fûts de flèche un peu partout, honnêtement. Donc c'est pas très... C'est pas vraiment un gros problème de trouver des fûts de flèche. Enfin, qu'est-ce qu'on prend? On en prend une dizaine de plus? On peut en prendre une dizaine de plus. Parce que le problème encore, c'est que c'est une zone... En extrémité de map, le canyon descend, donc c'est pas vraiment un endroit où on va revenir souvent. Voire pas du tout. Pour les plumes, j'en laisse une trentaine, parce que c'est 3 plumes par flèche, donc ça fait une dizaine de flèches. On a une ferraille, on a la fourrure qui est presque sec, mais pas encore. On a du tissu, on le laisse, parce que le tissu on en a un peu partout. Donc voilà, donc on va prendre tout ça. Et tout le reste on va le laisser. Et puis voilà. Voilà. Est-ce qu'on a... Oui, on a ça. Donc ouais. Donc voilà. Donc voilà, voilà. La peau de l'ours, je la prends avec moi parce que c'est... Ah, c'est pas tous les jours en fait qu'on combat un ours et tout. Donc voilà.
Par contre, je voudrais bien que la tempête s'arrête, en fait. Parce que du coup, ça va me faire partir, en fait, en pleine nuit. Et c'est pas trop mon kiff. C'est pas trop mon kiff. Alors, en métal, après, on n'a pas grand-chose. Alors, je sais que j'ai pas fait canyon descendre en entier. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Je sais que j'ai pas fait le canyon descendre en entier. Et que potentiellement on a encore plein d'objets à récupérer. Mais je vais être honnête, c'est pas très intéressant. Tous les endroits qui restent, c'est pas des gros endroits comme on a fait par exemple la mine. Ou alors le village abandonné, des trucs comme ça. C'est pas ça en fait. Donc c'est pas extrêmement intéressant. Et puis c'est un peu compliqué à se déplacer, c'est un peu long. Donc voilà, on n'est pas là pour vraiment rester au canyon descendre. C'est pour ça que j'ai envie de bouger. Par exemple, mon Timberwolf est beaucoup plus simple. Il faut juste faire le tour, vous montez, vous récupérez toutes les caisses sur le chemin. C'est plus direct, en fait. C'est plus direct. Alors que le canyon descend. Après, j'adore la map. Hein. C'est une de mes préférées. Mais faut beaucoup tourner et virevolter et tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de le faire. Ouais. Ça va nous prendre un petit moment s'il y a la tempête comme ça, parce qu'il fait extrêmement froid. Je sais pas. On peut faire ça, j'en sais rien. Ah, je peux peut-être réparer mes vêtements à la limite. Il y en a très peu hein, qui ont besoin d'être réparés, mais... ça... à la limite... bravo. Très bien. On va prendre le... attends, combien il m'en faut ? 2. Ok, très bien. Aussi, j'ai eu l'augmentation de certaines habilités. Donc l'allumage des feux, on est à 4. Je sais pas si... non, je l'avais pas, je crois. Donc on est à 4, 75% de chance d'allumer un feu. Feu dure 25% plus longtemps et bien sûr plus besoin de petits bois. J'ai le raccommodage qui est presque à 3. Donc ça, c'est cool. Et l'arme à feu qui est devenue à 0,5. Enfin, 1,5 plutôt. Parce que j'ai lu le livre. Hein, voilà, donc rien de très extraordinaire. Mais voilà. Mais honnêtement, c'est pas très intéressant. Hein, quand je dis je coupe pour farmer... c'est honnêtement, je reste autour du camp, comme je l'ai dit en commentaire, hein. Je reste autour du camp, je tue des loups, je tue des cerfs et tout ça, enfin voilà, c'est vraiment pas de l'exploration. Et on a tellement, enfin j'en ai tellement fait en fait de The Long Dark sur ma chaîne, c'est pas très très intéressant de vraiment tout montrer à ce point là. On va dormir une petite heure. C'est pour ça que je coupe maintenant, c'est pour ça que je fais des coupures. Je fais une petite heure parce que du coup on se remet un peu d'aplomb. Bon, il va faire nuit, hein, c'est pas grave. On se remet un peu d'aplomb, mais surtout le temps se réchauffe un tout petit peu. Alors, on va faire ça. Okay, on a de l'eau, 3, ouais, on a pris des 1 kg. Voilà, vous voyez le temps maintenant, on est à plus qu'une flèche en bas, vers le bas, donc il fait moins 6. Voilà, c'est toujours après la tempête, ça se calme un peu, il faut laisser au moins une heure ou deux heures passer. Alors là, j'ai plein de loups que j'avais tués en face, au fond là. Il y en avait 4, je crois. J'en avais tué un sur le côté là aussi. Faut faire attention parce que peut-être qu'ils sont revenus entre temps, ça m'étonnerait. J'en avais tué un ici, j'en avais tué deux là-bas. Il y a beaucoup de loups ici, il y a honnêtement beaucoup de loups, c'est dangereux. Et j'ai fait un endroit pour le feu, je l'ai marqué aussi sur la carte, hein, comme vous aviez vu. C'est là. Là-dedans, c'est pas mal. Ici, c'est pas mal. Alors, ça protège pas à 100% de toutes les directions, mais ça protège de beaucoup de directions. Et bien sûr, faire du feu en extérieur, c'est nettement mieux. Oh, j'ai pas pris. J'ai oublié. Aïe, aïe, aïe. J'ai oublié. La peau. C'est pour ça que je voulais pas la reposer. Et voilà.
Qu'est-ce qu'on fait? On dort encore une heure vite fait pour nous réchauffer très vite et... Ah, on peut le faire. Aïe, aïe. Je me demandais pourquoi on était aussi léger. Ok, j'ai rien oublié cette fois. C'est bon. Oh, attends, on va faire... Ouais. Ça nous fait pas consommer trop de calories et tout ça. Puis on se réchauffe. C'est bon. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'arrêter. On va directement retourner... Bon, ça va, il fait pas trop froid. On va directement retourner donc au Mont Timberwolf, dans la petite cabane. On va tout poser dans la cabane. En tout cas, ouais, je suis bon. Un 6. Ouais, on va tout reposer dans la cabane, tranquillement. Et après, on sera très léger et on ira faire le tour de... du Mont Timberwolf jusqu'au sommet. Donc voilà. Faire ça. Ouais, non, on n'arrivera pas en dessous des... On n'arrivera pas en dessous des 45. Alors, on va sûrement trouver beaucoup de loups sur le chemin. Ça, c'est un peu embêtant. Mais bon, on va se débrouiller. Alors, je sais exactement où il faut passer pour partir. Mais ouais, on va tomber sur des loups. Oula! Ah non! Oh non! Bon, bah, demi-tour. Demi-tour. On va courir, comme ça on se fatigue, on va pouvoir dormir. Ah là 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 là. Ouais, non, on va pas partir avec un vent comme ça. On va pas partir avec un vent comme ça parce qu'on va avoir froid extrêmement vite. On va... Parce que je voudrais... Je sais qu'on va avoir froid le temps qu'on marche jusqu'au Mont Timberwolf. Mais si c'est pour avoir froid en moins de 15 secondes... non. Non, non, non. On va pas faire ça. Alors... Oh, so cold. Donc repartons pour du raccommodage. Ça c'est pas de chance hein, parce que on avait... Attends, on va reposer le... Reposer ça. C'est vraiment pas de chance parce qu'on a eu une tempête juste avant. Donc bon, c'est rare d'avoir deux tempêtes comme ça, l'une après l'autre. Bon, enfin. Après, on peut tenir, on n'a pas besoin de faire de l'eau, on n'a pas besoin de faire de la nourriture et tout ça. Il y a énormément, il y a... Je sais pas, genre 10 000 calories à l'extérieur, voire même plus. Alors, fais voir. Donc ça, on peut pas... On peut réparer ça. Ah, il va peut-être faire nuit. Ah, ça va. Ok, très bien. On va reprendre des tissus. On va en prendre 4. Je sais pas si j'aurai le temps de... Ça va, tout est en très bon état. Il n'y a que ça, à la limite.
Le manteau de l'eau, de toute façon, il va sauter à un moment ou à un autre parce qu'on fera le manteau en peau d'ours. Le manteau en peau d'ours, il faut seulement une peau. Il faut 4 boyaux par contre. Mais le manteau est bientôt prêt. Enfin, la peau est bientôt prête. Et du coup, on va pouvoir le faire. Donc, c'est 30 heures. Ça, je couperai, bien sûr. Je vais pas le faire en vidéo parce que c'est trop long et trop chiant. Mais ouais, on fera ça. Comme ça, on aura 2 manteaux en peau d'ours. Ça sera nickel. Bon, du coup. Là, du coup, on peut pas faire grand chose. Là, il va me dire que c'est trop sombre bientôt. Ok, le temps s'est calmé, on va peut-être pouvoir dormir et si jamais il fait pas trop mauvais, on sort pendant la nuit. On va voir. Ah, il faut que je récupère la peau aussi. Ok, on se réveille en pleine forme. Hop, quitter la cabane, vas-y. Dis-moi qu'il fait pas trop froid. Ça peut aller. Ça peut aller. J'aurais dû prendre un morceau de viande. Bon, c'est pas grave. Le saut de viande supplémentaire, c'est pas grave. Il fait pas très froid, donc on en profite. On sort la nuit. C'est un peu sombre, hein, désolé. J'essaierai à la limite de monter un peu la luminosité pendant la nuit. Mais ça va, c'est clair au moins, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de neige qui tombe, rien. Donc ça c'est bien. Toujours être prêt. Donc notre but principal, après, je sais pas si on aura le temps, mais notre but là c'est vraiment de retourner au Mont Timberwolf. Tout simplement. Faire attention parce qu'il y a une chute d'eau. J'avoue que je vois pas grand chose avec cette neige. Ce serait un peu con de tomber dans l'eau. Allez, monte un peu les jambes. Talons, fesses. Ah non, ça va pas t'aider. Genoux, pomme de la main. Hein, montez les genoux, quoi. Ok, on a des loups là. Je viens de voir ses yeux. Eh ben. Le machin a une vue d'enfer, hein, quand même. Pourquoi il... Ah, il y en a un autre qui a attaqué un lapin, je crois. Okay, on va essayer de prendre de la distance dans la descente. Ok, go. Ok, maintenant, faut faire attention parce qu'il va aussi sprinter. C'est bon, il nous a lâché, ok. Ça, c'est dangereux de faire ça, parce que vous voyez que quand vous mettez un peu trop d'espace... Ah non, non, il nous a pas lâché. Pas chaud. Je sais pas. Non, il nous a pas lâché. Ok. Ah, parce que quand on met trop d'espace, en fait, il va commencer à sprinter. Et c'est là qu'il vous rattrape et qu'il devient trop proche, en fait. Et c'est là qu'il vous attaque. Il faut faire attention. Le mieux, ça serait de le tuer maintenant. Ah, quoique, il nous a peut-être lâché. Parce que là, normalement, il devrait
Il est quand même vachement loin, donc il devrait sprinter en fait pour gagner de la distance. Mais je suis pas sûr. Non. Il a l'air de nous perdre et de nous retrouver en fait sans cesse. Ah, on a une biche. Eh hey Bambi, il va falloir que on travaille ensemble. Enfin, c'est pas Bambi, c'est un cerf. Attends, si on se passe par là, on essaye de pas faire peur au cerf. Voilà, on est bon, on nous a lâchés. Ouais, c'est bon. Nickel. Attention. Ah, je l'ai entendu. On range. Il y en a encore un autre. Attention, on glisse. On se baisse pour pas se faire mal. Ok, il a eu peur. Très bien. Toujours très 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 bien écouté. Hein. Vous voyez ce que les petites montées, les petites dunes, c'est la mort. On peut en profiter. Aussi, je l'avais déjà dit plusieurs fois, mais ok, faut monter. Quand vous tirez votre flèche, vous reprenez la flèche que vous venez de tirer, vous rangez votre arc et vous le ressortez. Comme ça, elle va utiliser la flèche en fait qui est le plus abîmée. Donc ça vous évite d'avoir genre 20 flèches avec différents pourcentages dessus. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir. C'est par là. Je sais qu'on n'arrive pas vraiment à bien distinguer les choses, mais c'est par là. C'est le chemin qu'on avait pris au tout début. Voilà. Très bien. C'est le cadavre. Vide, vide, ouais. Ça, on l'avait pas pris. Attendez, on va essayer de gagner un peu de poids, mais ça m'étonnerait qu'on descende en dessous du poids max. Ouais, non. On est à 46. Une chose intéressante, ça serait pas mal de pouvoir courir plus facilement ou alors plus rapidement. Pas sprinter, hein, juste courir normalement comme ce qu'on fait, la trottiner quoi. Genre un tout petit peu plus vite si on n'a pas d'armes dans les mains. Ça, ce serait pas mal aussi. Un petit détail comme ça. Parce qu'au final, on peut tout simplement garder l'arc à la main hein, tout le temps. Hein, si on veut. Mais bon, après, c'est pas très très plaisant de tout le temps avoir ce point blanc là, en plein milieu. J'aurais préféré qu'il n'existe pas, surtout que quand on vise avec l'arc, il n'y est plus. Ça, c'est notre torche. Alors là, faut faire attention parce que loup et ours existent. Et ils aimeraient bien mettre fin à la nôtre d'existence. Ok, on a l'air d'être ok. Je sprint un tout petit peu pour qu'on arrive à la maison plus vite parce qu'on est encore en train de perdre beaucoup de vie quand même.
Ok, maintenant on va écouter. Ok, on a l'air d'être bon. Ok. Alors attention, une montée. Faire attention. Là, avec la neige, ça devient un peu difficile de distinguer les choses qui bougent. En plus, on commence à avoir un brouillard, là. J'ai un peu peur qu'une tempête se lève. Mais on est... Ouais, on est bientôt à la glace, donc ça va. Ok, on a eu un loup sur la droite, je l'ai pas entendu. Mais il a eu peur, ça va. Il a eu peur de nos vêtements et tout ça. Alors là, normalement, il y a des cerfs. Des trucs comme ça. Je voudrais bien les voir. Parce que des fois, les loups peuvent les attaquer. Et du coup, les loups se retrouvent sur la glace. C'est un peu dangereux. Oh, ça devient très très compliqué à distinguer les choses, là, par contre. On y est presque. Ok, on est bon. On est bon. Donc ça. On voit strictement rien. Peau de loup, boyau. Des fusées, une corde. Ah, je crois que la corde, on va devoir la prendre avec nous. Je crois bien qu'on va devoir la prendre avec nous. Parce que si je me rappelle bien... C'est quoi ça? Ça allumait des loupes nécessaires. Okay. Si je me rappelle bien, il y a des endroits où il manque des cordes. Alors ça, on va le déposer, on n'a pas besoin. Ça aussi. Ouais, je crois bien qu'il y a des endroits où ça manque de cordes. Et honnêtement, si on peut les mettre, ça serait vraiment bien. Vraiment pratique. Donc, je pense qu'on va prendre la corde avec nous. Alors, ça c'est des flèches, ça, des fûts de flèches. Ça, ça. La lampe. La lampe, il nous la faut. Parce qu'il y a des grottes. Je sais pas si on a besoin de les prendre, les grottes, mais il y a des grottes. Honnêtement, je pense pas qu'on va avoir besoin de la pierre à aiguiser. De toute façon, on va revenir là. On va revenir ici. Alors, le faitout, on va le poser. Voilà. Alors, ça, c'est bon. Est-ce qu'on a besoin d'autant de flèches? Je pense pas. Alors, la nourriture, tout ça... On va en garder 10, très bien. J'ai pas vu d'eau sur les étagères. Je crois que j'avais pas d'eau supplémentaire. C'est très bien. On est à 37 kilos. Ce qui est potable. Ce qui est potable. Oui, ce qui est très potable.
bien. Alors, je pense pas qu'on va partir maintenant. Je pense que là, il manque de l'eau, il manque... je crois qu'on n'a pas de bois de côté. Je crois qu'il manque beaucoup de choses, donc on va peut-être aller chasser, en fait. On va aller voir ça. Ok, on est de retour. Pas encore au jour. Ouais, non, mais j'ai pas envie d'aller chasser avec. C'est quoi ça? Cru. 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 Cuite. Cuite. Cuit, cuit, cuit. Ok, ça marche. On ne devrait pas laisser la porte ouverte comme ça. Alors... Ouais, non, j'aime pas sortir avec un temps comme ça. Non, je vois strictement rien. Non, non, ça m'intéresse pas. Alors là, on a la pêche blanche. Est-ce qu'on peut lire le livre? Ça m'étonnerait qu'on puisse le lire. Ah, yes, on peut. Il fait trop sombre maintenant, tu te fous de moi? Qu'est-ce qu'on avait? On avait une sorte d'aurore boréale invisible, c'est ça? Si on lit tout le livre, on a la pêche niveau 1. Niveau 2, pardon. Ça, ça m'intéresse. À la limite, on peut le faire. Ouais, 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 ouais. Ça m'intéresse. On va attendre que la tempête se calme. Ah, c'est bien clair là maintenant. Oh la vache. Que ça en bois. On va passer le temps, donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais décorer. Je vais décorer hein, comme d'habitude. Hein. Faire ça. Alors le livre de tir, on va le déposer aussi. Et après, on fera un tri de ce qu'on prend et ce qu'on laisse. Ça, c'est des peaux de lapin séchées. Ça aussi, c'est sec. Il y a quoi d'autre? Ok, tout ça, on le met là-dedans. C'est tout sec. La ferraille, on la garde, parce qu'on en a besoin pour réparer notre scie, c'est pour ça qu'on garde aussi... notre caisse à outils. Très bien. Et attention, tada ! Pêche sur glace. Niveau 2. Alors. Codage. Pêche sur glace. Des pêches, moins 5%. 1% de risque de casser la ligne lors d'une prise. Ça, c'est moins 8%, je crois. Sinon, ça serait un peu con quand même. Plus vous montez de niveau et plus vous tirez fort en fait sur la corde, hein, du coup, vous avez plus de chances de la casser. Après, ça serait un peu con comme système. On va dormir. Attendez.
On va dormir une heure, comme j'ai dit, il fait toujours très, extrêmement froid après les tempêtes, donc on va dormir une heure, même si c'est un peu tard déjà. On va prendre ça. Ah, attendez, je peux pas prendre ça. On va faire ça. De toute façon, ça c'est du cuit, ouais. Ouais, on a zéro eau en fait, d'accord. Ouais, bon bah cet épisode, on va devoir faire de l'eau et farmer. On va faire de l'eau. On va essayer de chasser un truc. Et on va faire de l'eau. Aussi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait chasser? Il nous faut du bois aussi. Ça, il nous faut un peu de tout, quoi. Je vais être honnête, il nous faut de tout. Là, on pourrait aller pêcher aussi, mais bon, il fait extrêmement froid. Ah, on a une biche. Une bichette! Ils appellent pas ça des biches, à chaque fois, j'oublie le nom. Ah, des cerfs sans cornes, voilà. Hein, comme ça, tout le monde connaît, tout le monde comprend. Oh, attends, parce que toi, tu me vois de très loin. Par contre, je voudrais bien m'approcher de toi avant que j'ai froid. Sinon, ça va être un problème. Oh, le bruit que ça fait, quoi. On dirait un élan, en fait. Le bruit d'un élan dans le jeu. Donc ça, c'est un peu dangereux. Si on fait pas attention, on sait pas ce qu'il y a. Okay. Pas trop proche non plus. Oh, en plein dans la... Oh, elle est belle, celle-là, hein. Ah, elle est belle, celle-là. Ah ouais, non, non, celle-là, elle est très, très belle. Hein. Deux minutes. Non, non, elle était très, très belle, cette flèche. Magnifique. Magnifique. Alors un truc qu'on pourrait faire, c'est est-ce qu'on fait un feu à l'extérieur ou à l'intérieur? Je sais pas si cet endroit est considéré en intérieur, genre est-ce que le froid de l'extérieur influence ce feu-là? J'ai jamais fait trop attention en fait. Donc on va regarder, tiens, ce serait une bonne expérience. Parce que est-ce que... Bah, je pense que c'est considéré en extérieur, c'est comme dans les grottes en fait. Je crois. On va voir. Donc on a tout ça à faire. Nickel. Alors du coup, il fait pas assez. Oui, on est d'accord. Alors on va prendre ça. Même avec 95%, ça arrive de se louper. Hein. Quand je faisais ma session de farm, là, j'ai utilisé un feu, du coup. J'ai fait une torche. Le truc, quand même, a loupé deux fois. Hein, à 95%. Donc, j'étais très, très content d'utiliser encore le même système, comme d'habitude, avec la torche. Parce que ça peut louper. Hein. On va faire ça. On va prendre ça. Alors du coup, pour les mettre égaux, on va faire comme ça, dans 40 minutes. Très bien. Je me réchauffe pas assez vite, en fait. Attendez. Ah, j'aurais dû regarder le temps. Donc on essaye de récupérer la peau aussi, comme ça le temps qu'on fasse tout le tour du mont, en fait, quand on reviendra, voire limite si c'est pas encore sec, je laisserai passer du temps, je farmerai un peu de mon côté. Oh la vache, il me fait peur ce con.
Ah putain. J'arrive pas à riposter. Need some first aid. Tout va bien, tout va bien. Tout va... Oh, on a deux hémorragies, le poignet. Oh la vache. Ok. Aïe. Alors, ça, ok, ça marche. On a tout. Alors, le cou. Okay, très bien. La jambe gauche. Il a dévié, on a loupé le tir. Ça, c'est de l'infection. Ça, c'est de la douleur. À la limite, on s'en fout. Ça, c'est l'infection. Ok, mais bon. Douleur, entorse au poignet. Ok, nickel. On a juste de la douleur maintenant, c'est pas très grave. Waouh! Eh ben. Par contre, j'ai peur, c'est les vêtements. Ça va. Il n'y a que le pantalon qui a pris cher, je crois. Ouais, non, il n'y a que le pantalon qui a pris cher. Ça va. Oh, la belle embuscade. J'ai des cuits. La belle embuscade. Alors, attendez. Est-ce que j'ai récupéré toutes mes flèches? Je crois que... Je crois que oui. Je crois qu'on est bon. Par contre, lui, il doit saigner. Il est sûrement mort. Peut-être là-bas, peut-être ça. Tant mieux. Faut qu'on aille récupérer la peau. C'est pas grave. C'est pas grave, y a pas de problème. On reste cool. On avait tout pour se soigner. Pas de problème. On reste sur ce qu'on est en train de faire. Donc il nous faut la peau à tout prix. Ok, le temps s'est amélioré. Ok, très bien. 20 minutes, on est en train de faire cuire. Ça nous fait 30 minutes, la viande doit être prête. Ok. Je dirais que le loup est mort. Je pense que c'est ça là-bas. Vous voyez le point noir un peu là? Ça peut être ça. Ouais, ça peut être ça. Donc on a la peau, on a de la viande. Ah, j'ai pas repris la flèche sur son cadavre par contre. Bien vu. J'ai les corbeaux là-bas. Faut qu'on regarde si on peut pas trouver du sang vite fait. Ça. Là on va dormir juste une heure. Faut qu'on regarde aussi pour le bois. Ok, ça c'est bon. Ah, le feu reste longtemps. Oui, non, le feu est affecté par la température ambiante. Cuit.
Ok. Il va nous falloir de l'eau. Il nous faut du bois. Il nous faut du bois, absolument du bois. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est possiblement... Alors pas partir cet épisode, bon ça c'était prévu déjà, mais pas partir le prochain... Enfin non, si, on va partir le prochain épisode, mais je vais laisser passer quelques jours, le temps de récupérer de la vie en fait. Parce que j'ai pas trop envie de m'avancer dans les... la montagne en fait. C'est quoi ça? C'est du bois? Ah oui, cool. Avec aussi peu de vie en fait. Ah c'est lui, c'est bon. Voilà, très bien. C'est quoi ça? C'est du charbon. Ça t'apprendra, saloperie. Là par exemple, on pourrait pêcher en théorie. Là c'est pas mal. Un temps comme ça. On est à moins 7. Je crois que si on est à l'intérieur, on devrait être bon. Je sais pas. On va en profiter pour prendre les macèdes et tout ça. Il me refaut des Jupiter là. Vous voyez 5 de chaque. Des fois je me dis ouais c'est overkill, on n'a pas besoin de... 5 bandages, 5 machins et tout. Bah, vous voyez? Genre, un loup, ça nous a mis 3 blessures. Enfin, on va en compter 2 parce que l'autre, c'était juste une foulure. On peut survivre avec une foulure, c'est pas très grave. Mais il y avait 2 saignements et il y avait 2 infections. Vous voyez? Donc, 5 au final, c'est pas si mal. Hein. Pardon, oula, on va pas tirer parce que... Allô. Très bien. Faire attention qu'on ne tombe pas sur un... En plus, il fait jour, on aurait pu faire un feu avec... avec la lumière, enfin, c'est pas grave. Ah, bien, bien, bien. Ah, on a un bois en bas aussi, je viens de le voir. Je crois. À droite. Non, à droite. Non, je sais pas, en fait. En fait, je vois pas. Il y a l'effet trouble. C'est pas ça? Non, si, c'est un bois à récupérer. On en profite. Oh oh. Ça par contre, oui, c'est pas un ours, ça. Pas un loup, pardon. C'est un ours. Je me disais... Ouais. Avec le poids des pattes. C'est bon, on se casse. C'est bon, on est bon. Avec le poids des pas, en fait, c'est ouais, pas pareil. Par contre, ça, c'est une bonne chose. Il y a un ours, du coup. Il me reste quoi? Il me reste des boyaux, en fait. Je vais devoir le chasser, je pense. Je vais aller le chasser. Je sais pas si on peut le faire maintenant. Je sais pas trop. C'est un peu dangereux de le faire maintenant en fait, parce que j'ai pas de vie. Non, on va le faire plus tard. On va le faire plus tard. Ouais, non, on va le faire plus tard. Combien ça? Combien de temps? 58 minutes. Faudrait peut-être que je me bouge parce que là, nous, on a de la viande.
c'est en train de cuire. Attends. Très bien. Ça. Voilà, je vais peut-être aller. Je le prendrai en vidéo. Je vous ferai un petit montage vite fait. Je vais sûrement aller chasser l'ours et laisser passer quelques jours. Le temps qu'on soit au moins à 75% de vie. Parce qu'en fait, la montée en fait du. Attendez. On va aller recouper un morceau de viande. On va couper le loup là. La montée en fait. Du mont est longue. Et le problème, c'est qu'on. C'est qu'on va perdre de la vie à cause du froid. Déjà. Déjà de base. Donc, on va avoir un problème de ce côté-là. Donc, c'est bien de partir full vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut partir du principe qu'on va au moins perdre, allez, un bon tiers de notre vie. Le temps de monter. Après, bon, bien sûr, si on fait des escales toutes les 5 minutes, oui, bon, d'accord, là, non. Ok, 1h20, on va potable 5 minutes. Ça, au potable. 49 minutes, très bien. Il y a encore 2 heures de feu. Elle est pas très très fatiguée. Toi, on va te mettre en plein milieu. Ah, on a saigné ici, c'est bête. Faudrait nettoyer. En fait, je sais pas pourquoi je mets là. Je mets devant le feu. Ok, nickel. Et le... très bien. Je vais regarder pour du bois, vite fait. Je sais pas trop pourquoi il y a des plumes là, mais... Bon, j'en ai plus là. Ah, il n'y aurait pas un élan ici? Ah oui, c'est vrai qu'on avait vu ça au tout début. Je suis sûr qu'il y a un élan qui se balade aussi. Ouais, je suis sûr qu'il y a un élan. Là, c'est pas mal hein, comme zone de chasse. Hein. Vous vous mettez ici. Et bah, vous êtes tranquille. Ça, c'est très très bien. Hein, cet endroit. J'ai l'impression d'entendre des pas. On va reculer. Alors, on va rentrer. Très très bonne zone quand vous avez des arbres comme ça couchés. Enfin, pas couchés, mais en pente comme ça. Vous pouvez facilement monter dessus, vous êtes à l'abri. Je suis un peu déçu de moi hein, quand même. Le deuxième loup, je pense que j'aurais pu mieux tirer. En fait, c'est la façon dont on bande l'arc. Des fois, c'est pas très réactif. Et ce qui s'est passé, c'est que... Alors le deuxième tir je l'ai loupé. Enfin le premier tir a tué le premier loup. Le deuxième tir a loupé. Par contre après j'ai fait ça en fait. Mais j'ai fait comme ça en fait.
Genre ça, cette animation là. De bander, mais pas au maximum. Parce que j'ai dû sûrement relâcher la touche en fait. Genre une fraction de seconde et le jeu a directement débandé l'arc. Et du coup j'ai pas pu tirer. Mais je pense que j'aurais pu le tuer, hein, le deuxième aussi, hein, d'une flèche dans la tête. J'aurais pu le faire, c'est juste que, ouais, notre personnage est un peu lent. En fait, pour des choses comme ça, c'est vraiment mauvais, quoi. Pour des enchaînements de tirs comme ça, c'est une catastrophe. Le mieux, c'est le revolver. Le revolver, vous pouvez même tirer sans viser et tout, c'est très très bien. Le revolver, c'est le mieux pour ça. Là, vous pouvez enchaîner vos tirs facilement. Vous voyez pourquoi je voulais un fétou ici au moins? Parce que... Là, 2 litres. Ça, c'est cuit. Hop. Vous voyez comme c'est simple? Quand même vachement plus simple. Hein. Alors, on a du tissu ici ou pas? On n'a pas beaucoup. Donc ça, faudra faire attention. Après, j'ai des vêtements que je peux transformer en tissu parce qu'il me refaut du matériel en fait. Donc il me faut 3 pansements. Ah oui, on a ça aussi, j'ai oublié, pardon. Très bien. J'avais pas pris des boyaux. Non, j'avais pas pris de boyaux. Non, j'avais pas pris de boyaux. On pourrait prendre des boyaux. Des boyaux supplémentaires. Ah, l'épisode va être un peu long du coup. Mais bon, c'est pas grave. Bon, pour la nourriture, je crois qu'on est on est bon. Hein. Pas besoin de faire plus. Ok, très bon. Ah, il y a du vent. C'est pour ça que je suis lent. Ah, c'est bon. J'aime bien comme ils ont fait pour la fumée, c'est marrant. Bien, on est à 14 minutes, 8 minutes. Alors, on veut ça. Donc, pansement. Là, ça nous en ferait 4. On va déposer de l'eau. Voilà, ça se passe bien. Eau non potable dans 30 minutes, c'est bien. Alors là, on veut des barbes. On peut tout faire. Voilà, très bien. Eau potable. Près dans 11 minutes, on a encore 24 minutes de feu, on peut encore faire de l'eau. On va en profiter le plus possible. 10 petits bâtons, 2 heures quand même maintenant. Ça rajoute plus d'une heure et demie quand même. Très impressionnant. Alors, donc qu'est-ce que j'avais dit? Alors, fais voir un peu. Là, on est retourné à 5, là, on est à 4. On avait dit... Alors ça, on peut le recycler pour un tissu. Très bien. Et on va faire des pansements. Je veux en avoir 5. C'est ma liste à checker, ok? C'est pas...
pas 4, c'est pas 6, c'est 5 sur nous. Si on se balade, c'est 5. Point barre. Très bien. 5, 5, 5. Tout est nickel, tout est bon. Parfait. Viande de loup cuite. On va mettre ça. Attendez. Ça, c'est combien? 700 et quelques calories. Okay, 1h20, très bien. On va regarder un peu le qui nous reste. On va manger ça. Très bien. Hop. Nickel. Donc on avait dit, c'est quel vêtement qui a souffert? Ouais, c'est celui-là en fait. C'est le pantalon de peau en serre. Surtout. Faudrait qu'on chasse des lapins aussi. Ah non, non, des lapins on en a. On a des peaux de lapin. C'est combien? C'est 5 jours. Ouais, on va pas rester 5 jours ici. Enfin, peut-être qu'en tout, oui. Peut-être qu'en tout, on va rester 5 jours, mais... mais pas comme ça en fait. Très bien, on a des plumes. Les flèches, pas besoin d'en faire. On en peut pas 30 minutes, très bien. Tout est bien. Tout est bien timé, c'est ça aussi qui est vachement utile, hein, de faire toutes les choses en même temps. Ça aide énormément. De l'eau cuite. Eau potable. 2 heures. 2 litres, pardon. Et on va mettre fin à notre épisode. Là, je suis content d'avoir pris ce fait tout, oh la vache. Parce que honnêtement, faire ça, la petite conserve, c'est quand même vraiment une catastrophe. Hein. Là, on a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bouteilles. Donc, c'est très bien. Ok, on va s'arrêter là. Bon, toi, attends. On va un peu voir ce qu'on garde et ce qu'on jette. Toi, on va te mettre de côté. Alors, gibier cru. Ça, c'est cuit, cuit, cuit. Okay. Gibier cru, toi, tu vas rester là-bas. Okay. On a tout ça de cuit. Ça fait quoi? 1000? Ça fait 1000 calories chacun. Tranquille. Et on a 6 litres d'eau ici. On a encore 2 ici. 30 minutes, 25 minutes, alors attends, on va faire ça, et on va dormir. 1 heure, je pense que c'est potable, mais j'ai peur que la viande brûle. J'ai peur que la viande de loup brûle. Parce que le feu va durer un peu plus longtemps que prévu. Du coup, en théorie, ça va brûler. Bon, on va s'arrêter là. Bah non, vu qu'on va se balader, il en faut 2 quand même. Eau potable dans 30 minutes.
Voilà, nickel. Allez, on s'arrête là. On va dormir le plus longtemps possible. Et peut-être que je vais laisser quand même passer quelques jours le temps qu'on récupère de la vie. Je serai presque à la limite à utiliser un thé pour aller plus vite. Mais honnêtement, j'utilise un thé quand on est vraiment proche du rouge. Là, ça va. Là, on est à un petit... il reste plus qu'un tiers de vie si on coupe en trois, on va dire. Je voudrais bien au moins être à 70% par là. Et après, on reprendra. On reprendra. Mais je pense que ça va aller très vite. Honnêtement, je pense que ça va aller très vite. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.